Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit du traditionnel book haul. Cette fois-ci, c'est le book haul d'avril, bien évidemment. Je suis trop contente de faire cette vidéo parce que c'est globalement ma vidéo préférée du mois. J'adore faire un book haul. J'adore regarder les book hauls. J'ai un problème avec les book hauls, j'ai une espèce de fascination. Mais bref, j'adore faire cette vidéo, j'espère que vous l'apprécierez aussi. On va commencer avec les services presse reçus en mai. Ça, c'est ma pile achat. Sachez-le tout de suite, ça c'est la pile achat. Ça, c'est la pile, vous la voyez pas, c'est la pile SP. Voilà, je réduis les SP, je vous le dis tout de suite. J'ai reçu les mangas, j'ai reçu Père et Fille, le tome 3 de Asami Sekiya aux éditions Nobi Nobi. Les trois premiers tomes vont pouvoir faire l'objet d'un dimanche graphique du coup. Ensuite, de la collection R, j'ai reçu Violet Made of Pawns de Gina Chen. C'est un roman que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte d'avoir la suite pour le coup. C'était très chouette. On suit Violet qui est une prophétesse dans un univers de fantasy. Je ne me souviens pas avoir déjà lu de roman suivant une prophétesse, donc c'était assez rafraîchissant. J'ai pas plus aimé que ça, il y a une romance dedans et... Bon, ça prend pas toute la place, mais c'est pas non plus extrêmement bienveillant, donc heureusement que c'était pas tout autour de ça. Mais bref, j'ai bien aimé, c'était une très bonne lecture, c'était pas un coup de cœur, la romance n'était pas méga bienveillante, mais il y avait du consentement et tout le reste, donc ça va. Je crois que je vous en parle déjà en update lecture, je crois, non ? Je sais plus si je vous en ai déjà parlé ou si je dois vous en parler, j'ai oublié. Ensuite, j'étais allée au Salon du Fantastique en avril et j'ai ramené un SP. J'ai ramené l'intégrale des Arcanes d'Emera d'Elina EC aux éditions Inceptio. C'est une bricasse forcément, c'est une intégrale. C'est écrit assez petit, c'est pas un roman que je dois lire, ce n'est pas un service presse qui rentre dans ma pioche à lire, dans ma pile à lire, dans ma montagne à livres, parce que j'ai déjà lu les trois tomes. Par contre, il y a un petit bonus que je me lirai peut-être de mon côté, mais... voilà, on verra à ce moment-là. Après, le problème avec les bonus qui arrivent une fois que t'as terminé la saga depuis des années, ben c'est que tu te souviens plus très bien du reste, donc je sais pas si je vais réussir à apprécier le bonus à sa juste valeur, mais c'est plutôt chouette quand même d'avoir ce genre de geste. Ensuite, dans mon partenariat avec Hachette Heroes, j'ai reçu une box autour de Miroir Miroir de Serena Valentino aux éditions donc Hachette Heroes. Je vous montre, il est trop beau. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. C'est en gros c'est la réédition d'une collection qui est déjà parue autour des vilains. Je sais plus s'il y a un nom de collection particulier parce que l'autre c'est Dark Ascension, mais celui-là je crois, je sais plus. Mais il faut les lire dans l'ordre, ça c'est ce que j'ai retenu. Et on a je crois l'histoire de la bête qui sort fin mai, donc je vais me le faire très vite. Ensuite, j'ai reçu un roman japonais des éditions Nami. C'est le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. Et ici, on vous dit que, en gros, on est dans les ruelles de Kyoto, dans un petit restaurant, le petit restaurant des Kamogawa. Et en gros, ils vont cuisiner des recettes qui sont dans les mémoires des gens qui viennent manger. Ça peut être des recettes emblématiques, des recettes d'enfance, etc. Et évidemment, on va suivre le parcours de ces différentes personnes. Ça va être trop chouette, je pense. Je me le suis mis dans ma pioche à lire de mai. Je vous invite à aller la voir si ça n'est pas déjà fait. Ensuite, j'ai reçu le nouveau de Julien Rampin. C'est La Chanteuse de Bal et ça a l'air beaucoup trop bien. C'est aux éditions Charleston. On est à Beautemps, près de Toulouse. Et en gros, on est dans un petit village. Et à l'occasion des funérailles de la veuve de l'ancien maire, j'espère que vous me suivez, on a une jeune femme, enfin une jeune femme, on a une femme, l'arrivée de la flamboyante Gloria, on vous dit, pourrait bien bouleverser la tranquillité de Beautemps qui n'a pas toujours été un village sans histoire. J'ai hâte de découvrir les histoires de Beautemps. Je le garde en fait pour la fin du printemps, début de l'été, je trouve que c'est un roman clairement à lire cet été. Ensuite, c'est en réunissant les livres pour ce book haul que je me suis aperçue que je l'avais reçu deux fois du coup. J'ai reçu Holy Miya, le tome 9 de Hiro Daisuke Hagiwara. De Hiro et Daisuke Hagiwara, pardon, aux éditions Nobi Nobi, donc dans sa version de base. Et je l'ai aussi reçu en édition limitée avec les deux straps. Du coup, voilà, je pense que je vais le donner, voilà, mais je l'ai reçu deux fois. Mais c'est trop bien parce que j'adore Holy Miya, c'est une super saga que j'aime beaucoup, c'est un bonbon, t'as l'impression de rentrer à la maison à chaque fois que tu retournes dans l'histoire, j'ai hâte de la continuer du coup. Ensuite, j'ai aussi reçu L'Attaque des Titans dans son édition anniversaire, donc le tome 1 de Hajime Hisayama, donc c'est chez Pika. Regardez, c'est trop joli. Je voulais l'édition anniversaire pour avoir mon édition à moi, L'Attaque des Titans. Je me suis arrêtée dans l'animé, donc franchement ça me fera pas de mal de retrouver un petit peu la saga. En plus, il y a des pages colorées, donc voilà.
édition anniversaire, trop trop belle. Et puis j'ai aussi reçu Épouse-moi Atsumori, le tome 6 de Taamo aux éditions Pika, mais aussi We Must Never Fall in Love, le tome 7 de Haru Tsukishima. Pareil, des sagas que je vais pouvoir continuer, je suis très contente. Et il faut que je vous en parle d'ailleurs. Ensuite, j'étais très contente de recevoir le nouveau roman de Julia Richard, c'est Pater Noster, regardez ce petit jaspage violet délicieux. C'est chez L'Homme sans nom, ici ensuite Dana, une jeune femme issue d'un milieu modeste, qui va rencontrer Basil Pater Noster, et il est tout du compagnon idéal, et en gros elle va rencontrer sa famille dans leur propriété à la campagne lors d'un été caniculaire. Et on vous dit, les choses s'engagent mal. Je ne veux pas savoir de quoi on parle, je veux juste le découvrir parce que c'est Julia, que j'attendais son prochain roman avec impatience, donc j'ai trop trop hâte de le dévorer. Et enfin, dernier service presse reçu en avril, il s'agit de La bibliothèque des livres brûlés de Brianna Labusque aux éditions HarperCollins. On est à Berlin en 1933, mais aussi à Paris en 1936 et à New York en 1944. On vous dit que c'est inspiré des histoires vraies de la bibliothèque allemande des livres brûlés et du conseil des livres en temps de guerre. J'avais dit la seconde guerre mondiale, j'en ai marre et tout, mais là on n'est pas dans un camp, on est dans quelque chose d'autre et du coup pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, on passe à mes achats et j'ai un petit peu abusé ce mois-ci, j'avoue. Je vous avais dit oui, en avril, je fais attention à ce que ça tombe pas, en avril je serai raisonnable. Tu le vois, je suis là, non, là du tout, j'ai pas été raisonnable et en mai, je crois que le 4 mai, j'avais déjà acheté 5 livres, donc comment te dire que vivement je billet qu'il n'y ait plus de sortie en fait, tout simplement. Je sais plus si celui-ci c'était bien en avril, mais je crois pas l'avoir montré en mars. Bref, j'ai acheté Le Serment de l'Éclipse de Lydia Brazington, qui est un roman auto-édité. Je crois que c'est un genre de dark romance, en tout cas de romance assez sombre. Je sais pas si c'est de la dark romance, on verra bien. On vous dit, les monstres ne naissent pas, ils le deviennent. J'ai besoin de savoir absolument que ça. C'est la même autrice que Le Murmure de l'Abîme, ou des Abîmes. Des abîmes et du chant des abîmes, et on a le troisième tome qui va sortir et celui-ci c'est un one shot, donc si jamais, ça peut être intéressant. Ensuite, j'ai aussi reçu la nouvelle parution des éditions Hurlevent avec un nouveau roman de Sarah, donc de S.A. Yarmund, Les Fêlures de Wakefield Manor, donc aux éditions Hurlevent. Je l'ai reçu avec le marque-page et la petite carte, c'est trop cool, je suis très contente. En plus, c'est le nouveau roman de Sarah, donc c'est chouette, et ça parle de manoir. On vous dit qu'on est en 1910 en Angleterre avec Honoria Belfort, une jeune veuve de 27 ans, qui accepte un poste de préceptrice à Wakefield Manor dans les paisibles Coastwalls. Entre les murs du manoir, les mystères se dessinent et les bouches se condamnent au silence. Bref, on est dans un manoir avec une préceptrice, tout ce que j'aime, donc j'ai trop hâte. Ensuite, je suis dégoûtée, j'ai acheté cette BD en début de mois et je pense qu'elle a pris l'eau, mais je comprends pas comment parce qu'elle était dans ma bibliothèque, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai acheté Les Sœurs de la Brume de Marlene Spage aux éditions Kinaï, et regardez, elle est toute gondolée en haut. Je sais pas si vous verrez, mais ici c'est tout gondolé, je suis deg que ça s'est pris l'eau en fait, ça a un peu pris l'eau. Est-ce que ça a été humide, est-ce que c'était contre un mur, est-ce que, je sais pas, mais bref, un peu dégoûté. On vous dit qu'on est au plus profond de la forêt de Friga, une brume turbulente remue entre les arbres moussus, recourbant les orteils des redoutables trolls et dispersant les gobelins racines, mais une créature ancienne se déplace dans les ténèbres. Bref, on est avec trois jeunes filles et j'ai juste hâte de le découvrir, ça avait l'air très chouette. Ensuite, j'ai craqué pour des mangas, oui, j'en achète aussi. J'ai acheté Bofuri, le tome 3, je suis pas venue ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense, de Jiru Oimoto, Yumikan et Koin chez Mana Books. Je vous l'ai dit, moi j'attends toujours d'avoir les trois premiers tomes pour me lancer dans une saga, donc là je vais pouvoir me lancer dedans. Et ensuite, j'ai acheté Les Trésors d'Izumi, qui est en deux tomes, c'est chez Komika, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. C'est de Ichi Yukishiro, donc j'ai le tome 1, le tome 2, je vous l'ai dit, c'est en deux tomes. J'ai eu l'impression que c'était mouillé, mais non. Ah, il y a eu peut-être un peu d'humidité, hein. Je sais pas, ils étaient ensemble, alors peut-être, j'en sais rien. Dans cette histoire, on vous dit qu'on est avec Izumi, qui est une jeune fille dépourvue d'émotions. Elle comprend les sentiments des autres qu'au travers des liens qui les entourent. Bref, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup parce que c'est en deux tomes. Ça avait l'air chouette sur le plan psychologique. Et ce sont les éditions Komika qui l'ont édité, donc j'adore Komika. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi acheté Sakura Saku, c'est de Yo Sakisaka, qui est l'autrice de Blue Spring Light, que j'avais adoré, c'est chez Kana. Donc voilà, je me suis pris ce petit shoujo. On est avec Saku Fujigaya, qui est une fille que l'on ne remarque pas, ça ne change rien qu'elle soit là ou pas, jusqu'au jour où, dans le train, Saku est sauvée par une personne du nom de Sakura. Du coup, Sakura Saku, vous comprenez? Donc voilà, et elle décide de venir systématiquement en aide aux personnes qui en ont besoin. Écoutez, on verra bien, c'est un petit shoujo, ça a l'air trop mignon, puis j'avais adoré ce Blue Spring Ride, donc
Il n'y a pas de raison. Ensuite, j'ai craqué, je me suis pris la version reliée de Lightlark. Je l'ai déjà lue, donc il ne rentre pas vraiment dans ma pioche à lire. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire. Je voulais la garder en collector. Donc, je me le suis pris. Je vous invite à aller voir le dernier point lecture pour voir mon avis. Ensuite, on arrive aux achats du Salon du Fantastique. Je vous les ai déjà montrés en vlog, donc je ne vais pas m'éterniser. Je me suis acheté Ad Mortem ou Ad Mortem de Samantha Fettelson, j'imagine, qui a été dédicacée du coup. C'est aux éditions Beta Publisher et c'est de la Romaine Tessie, donc j'ai trop hâte de le lire. Il est possible que ce soit une de mes prochaines lectures. Je ne l'ai pas mis dans ma pioche à lire de mai, mais j'aurais dû. Tout ce qui sort là, je l'ai eu en avant, je crois, et il a dû sortir fin avril ou mai, je sais plus. J'ai oublié. On vous dit, lorsque Sacha se réveille au cœur d'une forêt captive, elle est incapable de se souvenir de quoi que ce soit, hormis son prénom. Elle est alors sauvée par le charmant colonel Demers. Je sais pas, et son bras droit, Egerine, une jeune femme au caractère bien trempé. Tous deux la ramènent à leur royaume, celui des rêves, et tentent de raviver ses souvenirs. Dans le monde de Kram, où la magie est... où la magie est reine, Sacha lutte pour retrouver sa mémoire et sa place, mais c'est compté sans le souverain du royaume de la mort, Zaïd, qui bouscule toutes ses croyances et l'enlève. Et en gros, elle va devoir défier le royaume de la mort. J'espère que leur Montessie, c'est avec ce gars-là. Le gars du royaume de la mort, hein. J'espère. C'est trop bien. Enfin, je sais pas, on verra bien. Mais ça me faisait très envie, donc je me l'étais pris au Salon du Fantastique avec l'autrice qui était là pour dédicacer. Et puis celui-ci, par contre, je l'ai mis dans ma pioche à lire. Il s'agit de Beast Temptation Rose Redemption de Roxane Marielli aux éditions Alter Real. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête. Le seul problème, c'est qu'il est vraiment très petit pour le prix, je trouve. Mais bon, c'est une maison d'édition indépendante qui était au salon. Je l'ai pris directement là-bas, comme ça ils ont le plus de bénéfices. Bref, je me suis dit que j'avais fait une bonne action. On verra bien. En plus, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. J'espère que ça me plaira. Ensuite, celui-ci, sincèrement, j'ai pas pu m'en empêcher. Il s'agit du roman Le Palais au-delà de la mer de Xenia V. Aux éditions du Chat Noir, on est dans du Japon, on vous dit harcèlement, quête de l'art. On est à Heian-kyo. En 1042, à la cour impériale, une mystérieuse artiste peintre subjugue l'ensemble des courtisans grâce à ses estampes qui prennent vie sous son pinceau. Enchantresse ou sorcière, Dame Shimoko attire bientôt l'attention de l'empereur. Et ensuite, on est à Tokyo en 2007. Et j'imagine qu'il va y avoir un parallèle entre les deux. Hein. J'avais eu une dédicace, bref. Ça va être un peu dur de le caser après La fiancée du palais de la mer et La fille de la déesse de la lune. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de romans sur cette thématique qui sortent en ce moment. Il va falloir que je ne confonde pas les choses, en fait. Ensuite, j'avais gagné un roman chez la librairie Jeune Pousse. J'ai gagné Les larmes de Jundour de Noémie Delprat, donc le tome 1 voyageux. J'étais trop contente de gagner un livre, franchement. Un livre en auto-édition, trop contente. On vous dit, qui était son père? Pourquoi sa mère refuse-t-elle de parler de lui? Obsédée par ces questions, Livia ne se sent pas à sa place au lycée parmi les jeunes de son âge. Le jour où sa mère se résout finalement à lui dévoiler un infime morceau de son identité, c'est un torrent d'événements qui entraîne Livia dans un monde, un conflit et un destin qu'elle n'aurait jamais soupçonné. Sur les terres d'Héliosis, frappée par une mystérieuse noirceur, des compagnons comme le jeune soldat Evan ou Callahan le voyageur lui font prendre conscience de sa place et du rôle qu'elle pourrait jouer. Bref, ça a l'air cool. Il faudrait que je le découvre et franchement, toutes les couvertures sont très chouettes, donc hâte. J'avais acheté chez la librairie Jeune Pousse du coup à Lou Ledru qui dirige la librairie Jeune Pousse son roman Je te retrouverai. On est avec Emma qui veut partir et tout reprendre à zéro en acceptant une opportunité professionnelle. Elle quitte Montpellier pour Paris, laissant derrière elle ses amis, sa famille et surtout Samuel, l'homme qui partageait son quotidien depuis des années. J'ai pas envie d'en lire beaucoup plus, j'ai très envie de me plonger dans le livre de Lou. Je pense que ça se dévore, on verra bien. Toujours chez la librairie Jeune Pousse, je me suis aussi pris Nir, le tome 1 de Feu et de Glace de Laura Prono. Et ici, c'est toujours de l'auto-édition. En fait, j'en ai profité au Salon du Fantastique pour prendre de l'auto-édition et des petites maisons d'édition que je vois pas forcément tout le temps. Je pense que c'est vraiment fait pour ça. On est dans de la fantasy nordique, je dirais. On est avec Alanda qui... on est dans le royaume le plus puissant du continent qui s'appelle Alanda et on est avec Rianel qui reçoit une invitation pour assister à l'anniversaire de Rundwald, le neveu de la reine d'Alanda. Elle ne peut qu'accepter. Elle, la reine de Yedmar, y voit l'unique opportunité de faire reconnaître son pays par le reste du continent, d'autant plus que la rumeur court que le jeune homme n'arrive pas à trouver une prétendante. Bref, on verra, on vous dit, entre complot, magie et mensonge, c'est finalement l'avenir du continent tout entier qui sera bouleversé. On verra bien. On verra bien ce que ça donne, j'ai hâte. J'ai profité du Salon du Fantastique pour me prendre Persona, le tome 1 de Yelena. C'est publié aux éditions Hachette. J'ai eu ma dédicace. Il est vraiment beau à l'intérieur, franchement.
Niveau en tête de chapitre, t'as une carte et tout. Enfin, il est travaillé, ça fait plaisir. On est dans le monde de Lux avec les enfants qui ont été touchés par la lumière qui développent des pouvoirs singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux, soit se marier et abandonner leurs dons précieux, ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. J'attends de voir, j'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai hâte, c'est le nouveau roman d'Yelena. Fallait que j'y aille. Dernier livre, je crois, acheté lors du Salon du Fantastique. Il s'agit de Magie d'ombre et d'éther, le tome 1, La marque des étoiles, des lunes Drill, aux éditions Moonbow. Pareil, j'ai eu ma petite dédicace trop belle. La couverture est en réalité augmentée grâce à une application et c'est trop beau. On vous dit, Sarah n'a pas toujours porté ce nom et elle n'est pas humaine. Sa vie passée n'est qu'un mensonge, une couverture destinée à la cacher d'un autre monde et de ses menaces. Quand une force mystérieuse la transporte sur Physalis, la jeune fille découvre ce monde auquel son destin est lié depuis des temps anciens. C'est écrit, elle a le pouvoir de tous les sauver, mais ses choix pourraient également les précipiter au cœur des ténèbres. J'ai pas envie de lire la suite, ça a l'air trop cool. Ensuite, j'avoue, j'ai craqué, je me suis pris le tome 2 de Guild, donc il s'agit de Glint, la saga de Ren, le tome 2 de Raven Kennedy chez Hugo Roman dans leur collection Romantasy. Il faudrait que je me le cale là en mai parce que je l'ai acheté, il faudrait vraiment que je le lise. J'espère que je vais pas être déçue. Sincèrement, j'espère que je vais pas être déçue. La fin du tome 1 était très chouette, le début pour moi était une catastrophe totale. Donc vraiment, j'espère qu'il va me plaire, j'espère. Ensuite, je m'étais aussi acheté sur un coup de tête, j'avoue, le traducteur des lettres d'amour de Lin Kutsukake aux éditions Faubourg Marigny. Ici, on est en 1946, encore un roman après, enfin dans la période guerre après guerre, là pour le coup 1946 après la seconde guerre mondiale. On est dans un camp d'internement à cause de ses origines japonaises avec Aya, jeune fille de 13 ans, et son père qui ont deux choix possibles, partir à l'est des Rocky Mountains ou être déporté au Japon. Ils choisissent d'aller au Japon et arrivent dans un Tokyo dévasté où la vie s'avère plus compliquée que prévu. Et elle va avoir un statut de repatriée, ce qui va pas être évident. Elle va être la paria sociale à l'école, etc. Moi j'avais très envie de découvrir cet après-guerre au Japon qu'on ne connaît pas. Voilà. Ensuite, je me suis pris un relié de Sexu, je me suis pris Il était un cœur brisé de Stéphanie Garber, mais depuis que je l'ai acheté, tout le monde m'a dit mais si, il faut que tu lises Caraval avant, tu verras, ça vaut le coup et tout. Du coup, je me dis est-ce que je lirai pas Caraval en liseuse, parce que j'allais dire en papier, ça me saoule parce qu'il n'y a pas les mêmes éditions et que ça m'énerve, mais en liseuse, ça peut peut-être passer. Écoutez, on verra bien ça, en tout cas c'est un spin-off je crois de Caraval. On verra. N'hésitez pas à me dire si je dois absolument le lire en commentaire. Peut-être que je m'y plierai, c'est possible. Ensuite, je l'ai vu en poche, il me le fallait absolument. Il s'agit de Scholomance, le tome 1, Éducation meurtrière de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. On l'avait beaucoup vu passer en grand format. Donc là, je me suis dit que bah, dans cette version-là, c'était carrément l'occasion. On vous dit bienvenue à la Scholomance, une école pour les surdoués de la magie où l'échec signifie la mort. Dans cet établissement, il n'y a ni professeur, ni vacances, ni amitié, sauf celles qui sont stratégiques. J'ai pas envie de savoir beaucoup plus. Pour moi, on est dans une école de magie et il va falloir se bouger. Voilà, tout simplement. Ensuite, je me suis aussi acheté la nouvelle Les Sœurs Perdues de Holly Black. Donc c'est dans la saga Le Prince Cruel. C'est une nouvelle, en fait, qui n'a apporté absolument rien. Je vous en parle dans le point lecture. Le dernier point lecture, c'est chez Rajo. Je pense pas forcément le garder, enfin la garder, voilà. C'est pas ouf. Ensuite, dans la Cube, je vous rappelle, j'ai un code. J'ai pas un code, mais j'ai un lien pour vous abonner à la Cube. Je vous invite à aller voir dans la barre d'infos, j'ai mis toutes les infos sur ça. Et moi, en tout cas, dans la Cube de ce mois-ci, j'ai reçu Salina de Laurent Godet, Les Trois Exils. Et ça avait l'air chouette, on vous dit. Qui dira l'histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme aux trois exils, l'enfant abandonné aux larmes de sel. Elle fut recueillie par Maman Mbala et élevée dans un clan qui jamais ne la vit autrement qu'étrangère et qui voulut la soumettre. Au soir de son existence, c'est son dernier fils qui raconte ce qu'elle a été, afin que la mort lui offre le repos et que le récit devienne légende. Franchement, ça a l'air chouette. Ça a l'air chouette, j'ai hâte de découvrir ce destin, en fait, tout simplement. Avant-dernier livre, je crois qu'il s'agit... Alors, c'est pas une participation Ulule, mais c'était une participation au projet Silex. Il s'agit de Caro Dead, je sais pas, de Hélène Nera. Regardez comme il est beau, je suis très contente de l'avoir reçu. Hop. J'avais participé mais il y a super longtemps et je crois qu'ils s'excusent parce qu'ils ont mis justement super longtemps à nous l'envoyer. Mais on s'en fiche, on l'a, donc c'est très chouette. C'est tout simple. On vous dit avec Reva, donc dans la forêt, qui entoure les murs de Carodide, on va dire, des ombres se sont mises en mouvement. Reva, bras armés et fille adoptive de la famille régnante Belegan, a le devoir de rassurer la cité. Pourtant, plongée dans les bois et le passé qui entoure Carodide, une
Question s'impose, peut-on s'opposer à la nature? J'avais l'impression qu'il y avait une portée écologique aussi, donc écoutez, on verra bien. Et enfin, dernier roman acheté, et pas des moindres, il s'agit de Six couronnes écarlates d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo. La version reliée est super chouette. En plus, moi je vous dis, j'achète jamais quand il n'y a pas de jacket, donc voilà. En plus, le livre derrière est travaillé. On est dans, on vous dit, je pense que c'est de la fantaisie asiatique. J'imagine, une princesse en exil, un sort à briser, un empire à sauver. Une magie ancestrale et interdite coule dans les veines de Shioli, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kiata. Elle découvre que sa belle-mère en est dotée, elle aussi. Pour l'empêcher de dévoiler son secret, la reine sans nom lui lance un sortilège. Elle transforme ses 6 frères en grues et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un d'eux mourra. Du coup, elle va être exilée et sans voix et elle va devoir se battre pour briser le sort. C'est une réécriture de conte, là aussi, je vous dis là aussi parce que la fiancée du dieu de la mer l'est aussi. Du coup, je sais pas si j'arriverai à le sortir de ma pile à lire bientôt parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fantaisies asiatiques qui sortent d'un coup et qui m'attirent de ouf. Donc on verra, mais franchement, il me fait trop envie, j'ai trop hâte. Du coup, voilà, j'avais compté, on était à environ 35 livres, je crois, entre SP et achat. Franchement, le temps du raisonnable n'est pas encore venu. Je pense qu'on y arrivera vers juillet. Juin, je sais pas, j'ai pas encore regardé les sorties, mais juillet, en général, il y en a pas. Donc avec un peu de chance, j'arriverai à être raisonnable en juillet. J'espère. Voilà, un petit little buy ou un petit no buy en juillet serait très, très sympathique et très apprécié aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez ajouté des livres à votre pioche à lire ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire aussi si certains des romans que je vous ai présentés, ou manga ou graphiques, peu importe, vous attirent. Ça me ferait super plaisir de le savoir et puis peut-être que ça me les fera sortir de ma pile à lire avant les autres, c'est possible. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Cincinnati, baby.